syndicaliste profondément implanté à Chibougamau, l'amélioration du sort des travailleurs va nécessairement de pair avec celui de la collectivité. Ici, à mi-chemin entre le lac Saint-Jean et la baie James, le syndiqué vit dans une société où le coup à coude est obligatoire pour cause d'éloignement des centres décisionnels. Apôtre aussi convaincu que convaincant des bienfaits socio-économiques du Fonds de solidarité FTQ, il en a été le représentant local depuis près de 30 ans auprès de la section locale 8644 des Métallos, de syndicat implanté à chantier chibougamo De plus, en même temps qu'il s'acquittait de ses fonctions syndicales, dont celle de vice-président, Pierre Bouchard a cumulé pendant 20 ans la tâche de délégué social, une façon supplémentaire d'aider ses confrères syndiqués beau moteur impénitent, ce natif d'Allemagne connaît toutes les histoires et a vécu tous les combats régionaux. Et si un jour, il doit prendre sa retraite, il trouvera bien une nouvelle façon d'aider son prochain. enfant de quatre. Euh, chez nous, on a eu une belle enfance. Mon père était normal à l'époque. Il s'est décidé de travailler pour sa sœur qui avait euh, des boutiques de bijouterie. Donc euh, on était pourri en tout. Là, moi, j'ai appris en sixième année qu'un déjeuner ça prenait des œufs. Je connaissais pas ça. Les ça à moutarde. On était bien à l'aise avec ça. On était heureux. On, on jouait avec pas grand-chose. On était à l'époque où ce que quatre on était en punition on restait dans la maison. Aujourd'hui, c'est plus le contraire. Là. Quand on veut mettre un jeune en punition, faut le sortir dehors, comme ça. Mais on, une belle jeunesse. Mon orientation au niveau scolaire a été de, de m'en aligner dans euh, graphiste publicitaire. Donc, c'est un cours professionnel long qu'on appelait, euh, deux ans. Donc, euh, ça, ça m'a amené à avoir une certaine expérience au niveau là, du graphisme publicitaire. 78, j'ai fini mon école. Je suis pas sorti avec un diplôme là, euh, quand t'es jeune. Au Québec, pas besoin de parler en anglais. Déjà là, on faisait beaucoup de revendications. Mais je me disais qu'il n'y avait pas besoin de ça. Si on parle français, puis je pense que ce bout-là, je vais le regretter toute ma vie. J'avais arrêté mon anglais en secondaire 4, donc ça n'a pas été une réussite là, par après. En tout cas, je me suis repris, mes enfants, ont eu la chance d'être bilingues, puis mon épouse aussi. Donc aujourd'hui, je paye pour ça. Euh, J'ai arrivé à Chougamon en 18. Il y avait tellement d'ouvrages à l'époque qu'un, il glochait sa joie, puis ça en allait travaillé pour un autre. C'était c'était souvent comme ça. Mais elle, malheureusement, avec le temps, ben là, on sait très bien que l'ouvrage est rendu beaucoup plus rare. Puis quand, une job, ben, faut, quand tu risques de la pierre, faut faire attention, cause que c'est pas toujours évident d'en trouver un autre. Il y avait une imprimerie qui s'appelait Imprimerie Méros, puis il y avait un journal La Sentinelle. Donc moi, je me suis dit, avec ma formation de, 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 de graphiste, peut-être que je pourrais rentrer à La Sentinelle. Donc j'ai été porté... Euh, mon CV. puis j'ai attendu deux semaines. J'ai jamais eu de réponse. Comme ça, ce que j'ai fait à la place, ben, je me suis tanné, puis j'ai dit, je veux travailler. J'avais beaucoup d'amis qui travaillaient au chantier moi à l'époque. Comme ça, j'ai été donné mon nom. Le, le soir, j'avais un appel, pour comme de quoi que je commençais à travailler le lendemain matin. Puis à partir de là, ben, j'ai commencé à travailler au chantier, là, en septembre, là, le 17 septembre 78. On faisait du 2 par 4, 2 par 3, de la planche, un par 3, 1 par 4. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y avait un gros roulement à l'époque au chantier Chugamo. On a vu passer beaucoup de monde. C'est vrai qu'on n'avait pas des gros salaires, mais on avait quand même le vouloir de travailler. On était les enfants pauvres de Chugamo. -de des travailleurs ont demandé l'accréditation syndicale en 77. Puis quand j'ai commencé en 78, ben, j'ai rentré syndiqué après ma période de probation. Il commence à 4 piastres de l'heure. J'ai des chums qui ont commencé une, une et 25. Six mois après, j'avais ma première augmentation de 65. J'ai travaillé au chantier, je n'avais pas de véhicule. Je voyageais avec euh, Daniel, qui avait parti au syndicat des Métallos. Il était sur le même chiffre que moi. Puis après le corps de travail, ben, il allait au syndicat. J'allais faire ses affaires. Puis après ça, on, on allait prendre une bière. Ça a duré comme ça euh, septembre, octobre, novembre, décembre. On arrive en 79 au, au mois de mars. Il y a des élections. Donc ils m'ont demandé voir si j'étais intéressé. Bon, donc je commençais je connaissais à trail du, du bureau syndical là où j'allais pas mal haut. Donc euh, j'ai dit oui. Comme ça j'ai commencé au niveau syndical en étant secrétaire financier. Je venais juste d'avoir 18 ans. 18 ans et trois mois. Daniel, le président du syndicat, avait 23 ans, puis il était pratiquement le plus vieux des officiers. Puis quand on est arrivé avec un permanent qui s'appelait Yvon Royer, il nous a appelé à la gang de flots. Ben, nous autres, on y rendait l'appareil en l'appelant papa. Donc, on a formé une très belle amitié à ce niveau-là. Puis quand on a la chance de le voir, ben, on l'appelle encore comme ça. On était des flots, on était revendicateurs. Puis, euh, mais avec l'employeur, on, on, on réussissait toujours à s'entendre, trouver des solutions. Puis avec le temps, ben, comme le reste, on réussit à, à devenir crédit, mais pas, surtout, pas à 20 ans. Les métallos à Chougamou dans une usine de boitiage, ça fait bizarre un peu pour ceux qui connaissent un petit peu le mouvement syndical, pourquoi pas avec le CEP. Chougamou euh, était développé sur c'était un caminier donc c'était des mineurs les mineurs à l'époque étaient pratiquement tous syndiqués métallos puis quand ils ont décidé au niveau des chantiers les travailleurs de, de se prendre en main pour se syndiquer ils ont été voir les présidents de syndicats qui avaient ici à l'époque les métallos c'est comme ça qu'on s'est ramassé métallos au niveau d'une usine de boitiage. donc avec euh, Daniel j'ai commencé à, à, à comprendre un peu plus la patente. Puis là, le syndicat ben, au chantier, ben, ça a fait en sorte que ça a amené tranquillement des emplois beaucoup plus stables. C'est ça qui est, qui est plaisant. Hein? On a toujours au niveau du, du syndicat du Joe, c'était le métallo, on avait des formations, on avait des gens qui venaient nous montrer comment faire la comptabilité dans les livres. Tu reçois un montant de l'argent. De tes membres, des métallos, tu le rentres dans le livre, puis tu as des dépenses, puis on, tout est bien écrit. Donc, on arrive à la fin en bout de ligne, on a tant de dépenses, on a tant de rentrées d'argent, il restait. Puis on en faisait rapport à nos membres à chaque assemblée. Donc, on est capable de faire un suivi des avoirs qu'on a. Peu importe le, le poste d'officier ou de délégué qu'on a, on est quand même capable d'avoir de la formation au niveau syndical. Ça, c'est valorisant. D'apprendre de choses, des choses nouvelles, pour ensuite être capable d'aider son prochain. Le syndicat s'est construit sur le bénévolat. C'est quelque chose qui se perd énormément. Puis ça me fait. Ça, 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 ça me tracasse énormément. On commencerait aujourd'hui les premières années du syndicat, puis je suppose sais pas qu'on s'en irait. Ma première job, c'est secrétaire financier. J'ai commencé en mars 79. Jusqu'en 88. Après ça, euh, en 87, j'ai eu ma formation de responsable local au Fonds de solidarité. En 88, délégué social. En 91, correspondant pour le syndicat des métallos. 91, pas mal dans la même époque, j'ai tombé secrétaire archiviste. Jusqu'en 95, début 96, où là, je suis tombé vice-président, jusqu'en 2006. J'ai arrêté, puis j'ai gardé mon poste de responsable local au Fonds de solidarité, que je suis encore, mais j'ai toujours gardé un attachement. Je vais à chaque assemblée, il y a du temps des fois, je vais faire un tour au local, je vais voir comment ça va, puis euh, j'adore ça. En 1987, euh, mon président de syndicat, à l'époque, Patrick Bourrich, est venu me voir, il dit Pierre, il dit, euh, je viens de rencontrer Lina Lemay, puis au Aubin d'Amour des métallos, mais qui travaillent pour le fond aujourd'hui. Ils nous ont fait une présentation, c'était bien intéressant, puis ils dit « On veut t'envoyer suivre un cours de RL. Ben, je ne sais pas ce que c'est, mais puis si vous me dites, il n'y a pas de problème, on va y aller. Donc, euh, j'ai arrivé pour suivre un cours de responsable local au Fonds de solidarité. Je connais absolument rien au niveau de l'épargne. J'ai pas eu la chance, surtout comme je vous ai dit, on était pauvres, je pas eu la chance que mes parents, m'éduquent à, à dire on, on, on a de l'argent, on va en mettre un peu de côté, quand on en avait, là... On, Ma mère, à s'en servait. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'on plaçait 1000$, puis à cette époque-là, il me revenait 869$. Donc, ça ne coûtait pas trop cher, puis j'avais encore mon 1000$ de placer. Je trouvais ça intéressant. Puis euh, j'ai dit, il y a moyen de faire des sous, puis ça pourrait être une bonne chose. Donc, à ce niveau-là, j'ai embarqué dans ça à, à bras ouverts, puis j'ai. Adorer mon expérience, puis euh, bientôt 29 ans que je suis responsable local, puis j'en manche Ça, je trouve que c'était une très belle partie de ma vie, là, pour apprendre à connaître du monde, puis euh, une satisfaction personnelle en disant, oh, je suis capable d'aider mes confrères de travail à mieux se prendre en main pour se préparer pour une retraite, à cause que c'est dans notre vie active qu'on va préparer la seconde, puis de plus en plus, on vit longtemps. Donc, euh, ça prend des sous. En 1981, lors de la deuxième négociation, on avait regardé pour ça partir un régime de retraite. Donc, on fait comme tout le monde, on fait un sondage maison, on demande l'information aux membres, et la réponse fut euh, catégorique on n'en veut pas de fonds de pension. On était encore jeunes à cette époque-là. C'était une histoire de vieux. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, on y repense plus, mais non, comme ça. Donc, vu qu'ils ont refusé, c'est là que l'idée. À l'époque, Patrick, de dire, on va regarder prendre les, nos membres, on va commencer à lui, à lui apprendre à mettre un peu de côté. Donc, on fait ça en grand. Je vais au euh, journal La Sentinelle, puis on avait fait une interview comme de quoi qu'on allait être dans un centre d'achat pour parler du fonds de solidarité aux travailleurs, qu'on allait aller à la télévision communautaire, au journal, qu'on allait être partout en la ville. Donc, Chubgamo allait savoir ce que c'était le fonds de solidarité. Moi, dans mon milieu de travail, ben... J'étais avec Bruno Marceau comme responsable local à l'époque. On a rencontré nos travailleurs pour leur parler du fonds de solidarité. Puis ça a bien été, à cause qu'au mois d'avril, on déposait, je ne me souviens plus le nombre de, de DAS qu'on appelait à l'époque, le décision sur le salaire. On avait énormément de, de formulaires où ce que nos travailleurs ont commencé à prendre des sous à partir de l'UPEC. Avec le temps, on s'est aperçu qu'ils ne veulent plus qu'on les enlève, ce bout-là. Là. Les jeunes qui commencent, là... C'est un plus pour eux autres. Là. Quand on commence à 18 ans, 19 ans, puis on est capable d'avoir déjà des 70 pièces par semaine de REER, puis on n'ont pas commencé encore à débourser un sou, c'est un plus pour eux autres. En 91, le Fonds de solidarité a mis en place des ARL, des responsables locaux, qui voulaient en faire un peu plus. Donc, on appelait ça des assistants à la coordination. On venait en aide à nos coordonnateurs au Fonds de solidarité lors des blitz pour aider des confrères de travail qui étaient aériles, mais que le coordonnateur n'avait pas le temps de venir lui donner un coup de main. Donc, j'étais ici pour lui donner un coup de main aux autres aériles qui voulaient préparer des blitz, puis j'étais là en soutien par rapport à un peu plus de connaissances, puis euh, de savoir-faire par rapport à ça, malgré qu'ils l'ont développé assez vite. Là. Donc, au fond de solidarité, j'ai eu un, peu, un chapeau de plus, qu'on pourrait dire. En 1996, j'ai tombé représentant au niveau de la FTQ pour la solide, qui se trouve être un, on pourrait dire, un bébé du Fonds de solidarité. J'ai été aussi responsable au niveau euh, du point de service de Chugameau. Dès 1990, on a, on a eu un petit bureau à Chugameau. Les dernières semaines, en commençant, c'était la dernière semaine du mois de février pour les REER. On offrait le service à la population s'ils voulaient venir souscrire au fond. Donc, on a un point de service, puis avec le temps, bien, l'autre. On a mis en place le rire maximum plus. Donc, on place l'argent au fond. Le retour d'impôt, on l'envoie dans une autre institution en RIR. Donc, le premier 1000$, il m'en fait sauver 800$ que je replace dans une autre institution financière. Sur le 800$, il m'en revient encore 300$ dans mes poches. Donc, pour mon même 1000$, j'ai 1800$ de RIR, 300$ dans mes poches. Donc, on faisait faire la roue à notre argent. Finalement. Ça je, 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 pour ça que j'ai D'ailleurs, quand j'ai vu mon employeur, Lucien, le patriarche, il me dit Pierre, c'est que t'as là? Ben, il dit monsieur Fillon, vous savez, On a grossi avec l'entreprise. <laughs> on a réussi à négocier avec l'employeur une CE, une contribution de l'employeur. Sur un contrat de travail de trois ans, on a réussi à aller chercher 3 1 par année. Après ça, on a renégocié. la négociation suivante, on est allé chercher deux autres donc 1 pour la première année, 0,5, 0,5 pour les deux dernières. Depuis ce temps-là, on a une participation de l'employeur de 5% sur nos heures régulières travaillées. Puis j'ai la chance d'avoir du temps de qualité. L'employeur me permet de déranger un petit peu les travailleurs sur le milieu de travail durant leur travail pour être capable de parler un peu avec eux autres. Je n'en fais pas d'abus. Dans ce cas-là, je n'ai pas de problème. L'année suivante, j'ai encore la permission de le faire. Donc, euh, mais c'est tellement valorisant là, de rencontrer ces gens-là. Là, euh, c'est un plus. Ce que j'en retire personnellement, j'ai une meilleure connaissance personnelle pour ma retraite. J'ai mon alignement. Je sais beaucoup plus ce que je m'en vais. Ça me permet aussi de transmettre cet alignement-là à mes confrères de travail. On n'est pas des planificateurs financiers. Mais ça me permet d'avoir assez de connaissances pour dire à mon confrère de travail oh, Tu me poses une question, je réponds toujours les deux mots. Peu importe la question, ça dépend. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Je ne suis pas un planificateur, je ne suis pas un spécialiste. Mais je te dirais, par rapport à ce que tu me dis, va voir ton planificateur, puis pose-y telle, telle, telle question. Comme ça, ça va. Ça, lui, va creuser, puis il va être capable de, de mieux t'informer par rapport à ça. En 1988, on m'a envoyé suivre un cours de délégué social. J'avais été suivre le cours avec euh, Yves Boudreau. On avait été euh, aux Jésuites, à Saint-Jérôme, en résidence, fermée. Donc, on commençait le dimanche soir, allait jusqu'au mercredi midi. Donc ça nous permettait le soir d'avoir des travaux, travailler un peu, puis de socialiser aussi. On se ramassait ensemble, puis on discutait. Puis euh, je trouve que j'en apprenais autant après la, la, la rencontre de 8 heures avec les professeurs que durant le jour. Donc ça, ça nous faisait euh, un 15, 16, 17 heures de formation par jour. Puis on ne dormait pas beaucoup, mais c'était plaisant. À cette époque-là, ceux-là qui nous avaient donné la formation, c'était un dénommé... Jean Sylvis, avec le, le temps, j'ai eu la chance de le côtoyer souvent, et un dénommé Michel Labelle, qui venait du syndicat des métallos CCR Norandon. Puis c'était plaisant, à cause que Jean Sylvis, c'était une personne qui était posée, puis dès qu'il sortait, Michel prenait sa place, puis il l'imitait. Donc on a eu beaucoup de plaisir, mais on a appris là, tellement de choses. Là. Le, le travail de délégué social, c'est... Euh, c'est un travail qu'on va faire d'égal à égal avec nos confrères de travail. On va venir les aider pour une problématique donnée. Donc, si ça soit une problématique de drogue, d'alcool, de plus en plus le jeu, peu importe la dépendance, même le web, on est là pour les aider à se prendre en main. On n'est pas des spécialistes. Bien souvent, par un problème donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les référer aux bonnes personnes. Avec le temps des liés sociales, ça m'a appris aussi qu'on a beaucoup de problèmes au niveau de, de l'endettement. Quand on est rendu, qu'on doit la semaine prochaine en salaire, ça ne va pas partout trop bien. Puis aujourd'hui, ça n'a pas changé tellement, malheureusement. Bien, ça m'a permis d'avoir une d'apprendre au niveau des budgets. Les ACF faisaient à l'époque un un beau livre pour faire les budgets. Puis moi, et puis on avait regardé ça, puis on trouvait ça intéressant. On avait demandé à la section locale d'en acheter un. Puis à partir de là, on a été capable de mieux comprendre ce document-là, puis de, de, de l'offrir à nos membres. J'ai été délégué social pendant une, sur une durée un peu plus de 20 ans. Ça nous a permis d'offrir ce service-là à nos membres. Mais pas, quand c'était le temps des budgets, on ne pouvait pas les référer à, on n'a pas d'assiette, c'est un chou Donc, on s'assisait avec eux autres, pis on prenait le temps d'établir un budget. Puis, c'était pas facile. Des fois, ça, on, on restait avec le travailleur pendant deux ans de temps. On avait des suivis pendant deux ans de temps pour être capable qu'ils viennent à, à prendre le dessus. Puis, on a réussi souvent, souvent, souvent. Donc, ce côté-là, c'était valorisant. Personnellement, là, on trouvait une très grande satisfaction de pouvoir aider nos confrères de travail à cette époque-là. Puis, entre-temps, ben, on en mangé aussi du délégué social. Donc, ce qu'on faisait, on se ramassait avec la gang du CLSC. Puis, il aimait ça de nous voir venir, parce qu'on avait toujours plein d'idées, puis on lui trouvait de l'ouvrage. Donc, faire des soirées thématiques. On a fait des soirées thématiques sur le suicide. Ça, on, on a invité des, des, des gens comme euh, Laurent Garneau, SOS Suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui venait nous oser ça pendant deux heures de temps. Il était même un soir qu'on avait... 56 personnes qui étaient venues à la rencontre, un soir où il y avait Marie-Lise Pilote à l'auditorium. Donc, on avait réussi quand même à déplacer beaucoup de gens, puis il n'y arrive jamais rien pour rien. On avait eu la chance d'avoir un médecin qui était là en plus, puis euh, une semaine ou deux après, je m'étais ouvert le doigt avec mon Exacto en faisant de la rénovation. Quand il arrivait à l'hôpital, puis il m'a vu, il dit, il dit Une tentative de suicide. Il trouvait ça bien drôle, mais on voit qu'il avait bien aimé sa soirée aussi. Mais C'est toujours d'avoir de quoi, en bout de ligne, se rapprocher des membres. C'est la base du syndicat. Si tu fais du syndicat là, pour, pour toi-même, ben, c'est une chose. Mais dans le fond, c'est toujours pour les autres. Quand ça a commencé, on a, moi, j'ai eu ma formation en 1988. Moi et Pierre vont se déplacer à Montréal pour être capable d'avoir un suivi, avoir toujours plus d'informations. Mais en 1992, en Abitibi, ils ont décidé de décoller aussi un réseau entre les délégués sociaux, d'avoir des soirées thématiques pour aller chercher toujours plus d'informations. Donc, moi et ils vont s'y ramasser avec la gang de BTB. C'était moins loin. Ça faisait pareil. Puis là, le réseau continue à grandir. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 1997, ils ont engagé Brigitte Bergeron. Donc, on a quand même une affinité aussi avec le Lac-Saint-Jean. Comme ça, on allait aussi aux rencontres au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour discuter avec les autres délégués sociaux puis avoir toujours un, un peu plus d'informations. De bagages pour pouvoir aider nos confrères de travail. D'ailleurs, ma sœur a été déléguée sociale aussi. Elle était bien proche de Brigitte, elle a eu la chance de donner beaucoup de formations pour former de nouveaux délégués sociaux. Puis Brigitte, sa fête, c'est le 14 février, en même temps que la Saint-Valentin. Donc, ma sœur y a passé une idée, elle a dit on va, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la journée de reconnaissance des délégués sociaux le 14 février, la fête de l'amour? Donc, depuis ce temps-là, ça doit faire au moins 5-6 ans, là, on va toujours même plus que ça, 8 ans, que la journée de reconnaissance des délégués sociaux est le 14 février pour l'ensemble du Québec. On ne fait rien à moitié. Bonjour à vous tous, les délégués sociaux de partout à travers la province. Aujourd'hui, le 14 février, on prend le temps de vous remercier pour le travail colossal que vous faites à l'intérieur de votre syndicat pour venir en aide à vos collègues de travail. Qui ont des problèmes. Euh, la structure des délégués sociaux a déjà plus de 30 ans et vous faites une grande différence. Merci aux 2 700 délégués sociaux de partout au Québec. À ce là le responsable local et le délégué so social font partie quand même de l'exécutif syndical. On n'a pas le titre d'officier, mais on est membre d'exécutif, c'est de à cause qu'on est là pour les membres. Non? Puis ça, ça aide énormément. Le travail de délégué social, le travail de RL qui ne sont pas des postes en élection aux trois ans. Le fait d'avoir le soutien dans ces deux postes-là, ben, ça nous ouvre des portes auprès des membres. On a des problématiques. mais On en parle à notre président, il va en parler à l'employeur. On a toujours des ouvertures par rapport à ça. Puis si on n'aurait pas le soutien de, de, de notre exécutif syndical, ben, on aurait un sérieux problème. Comment tu veux fonctionner quand des tout seul? Ça ne marche pas. En 91, euh, il, était, il me dit :« Pierre, il dit, j'aimerais avoir un correspondant pour euh, le Nord-Ouest, quelqu'un qui va écrire, qui va appeler des permanents dans, les, dans, dans sa région, puis qui va demander voir s'il y a du nouveau. Y a-t-il une convention qui s'est signée Y a-t-il un bon coup que le syndicat a fait ou que les travailleurs auraient eu une bonne idée qu'on soit capable de le publiciser à la grandeur du Québec. » Il dit :« J'aimerais ça. » Il m'a mis en contact avec euh, André Laplante. Directeur de l'information au syndicat des métallos. Puis euh, André, en tout cas, j'ai trouvé bien fait le monsieur. Comme ça, il euh, y avait une formation qui se donnait spécialement pour les correspondants, des façons de faire, puis avoir des trucs. Puis, donc, euh, de mémoire, la première formation, j'avais été, c'était à saint cyacin On était une, une quinzaine. Puis là, il nous expliquait un peu c'était quoi notre rôle, puis de quelle façon écrire. On a deux revues au métallos. On a le le métallo, pas de S. Qui se trouve être une revue qui va jouer bien souvent 24-32 pages. Puis ça sert pour élaborer puis prendre le temps d'expliquer de, 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 des problématiques, des bons coups, puis d'élaborer sur un sujet donné. Puis l'autre revue, c'est le trait d'union. Le trait d'union, c'est juste des petits textes, une dizaine de lignes qui viennent parler de ce que nos confrères et consoeurs de travail au Québec vivent. Ça peut être des bons coups, des mauvais coups, une négociation, un lock-out. Donc, ça nous permet d'avoir des contacts au niveau des membres métallos à la grandeur du Québec. Je trouvais ça le fun. Puis, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de me partir aussi un, un journal pour ma section locale. Euh, je travaille dans le bois, donc, ce que j'avais trouvé comme titre intéressant, j'ai appris un nouveau mot à cette époque-là ou piller. H-O-U-P-P-I-A-R. -E ça signifie la, la cime d'un arbre totalement ou partiellement branché. Donc, pour quelqu'un qui travaille dans le bois, je trouvais ça intéressant. Euh, mes premières publications, euh, j'avais des comebacks. ta Bernard ma femme, elle le lit, il y a des fautes en colline, mais en tout cas, je suis content de voir qu'elle l'a lu. J'ai un don qui me permet d'écrire des affaires simples, je n'ai pas de misère pour ça, je vais en dire aussi d'ailleurs, mais je me manchais pour donner du sérieux, du contenu, mais toujours avoir une touche d'humour. J'étais heureux d'être capable de transmettre toutes sortes de choses à mes membres, de par ce journal-là. À une époque, on avait même demandé à l'employeur de nous aider à acheter une plieuse. Ça valait 5 000. J'avais acheté ça, tu à l'imprimer mes roses. Il me la faisait pour 1 000 vu qu'il était géré. J'avais demandé à l'employeur s'il voulait l'acheter. Il m'a dit oui. Comme ça, gros, je me dis, même si je vais écrire des bons mots de temps en temps pour lui, en tout cas, il va être content. Puis ça faisait l'affaire de tout le monde. Donc, plié des, des, des journaux, c'était pas toujours évident. Puis des fois, j'avais des, des publications là, de 32 pages sur une feuille 8,5-14. Ça faisait épais. André Laplante, il nous disait toujours que donner de la désinformation ou pas informer ses membres, c'était une façon de garder le contrôle. Puis je trouvais ça tellement brillant. Là, il dit plus on va informer nos membres, là, plus ils vont avoir des connaissances, plus ils vont être capables de, de prendre des, des, des décisions ou de se faire une idée eux-autres-mêmes au lieu de prendre l'idée d'un autre. Donc ça, j'ai toujours adoré ça. Puis ça m'a permis, tant j'ai été in, impliqué au niveau syndicalement. Là, euh, Jusqu'au temps que je j'en ai fait. Genre, on a même fait un au niveau du Conseil du Travail euh, du Haut du lac saint jean chez gamo chapin ça s'appelait Le Réveil. Lui, on n'a pas eu beaucoup de parutions, mais en tout cas, au moins, on, on a fait l'effort à ce niveau-là d'en de, faire un. Donc, c'est une bonne chose d'être capable de transmettre de l'information aux membres, parce qu'on sait très bien que ce pas tous les membres qui vont les assembler. Donc, ça pouvait rapprocher pour avoir de l'information sur les situations de nous.